Yo tout le monde, c'est Fatboss, j'espère que vous allez bien. Jeudi 9 juin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai pas pu faire d'intro aux petits oignons, comme je l'ai fait hier notamment pour Anthony Edwards. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour la review de Arvidas Sabonis Dark Matter. Carte que vous pouvez avoir si vous avez de la chance, notamment dans le coffre en triple menace. Avant de commencer, on est enfin 10 000 sur la chaîne YouTube. Depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube durant le premier confinement en mars 2020, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à me soutenir, à commenter, à échanger et tout simplement à kiffer avec moi chaque jour. Et encore plus depuis ce marathon lancé cette année en septembre en sortant une vidéo minimum par jour. Alors merci à vous du fond du cœur pour le soutien. Merci pour la force. Bien évidemment, si vous êtes nouveau et que vous venez de tomber sur mon petit speech d'émotion, n'hésitez pas à vous abonner, le pouce vers le haut, le commentaire. Grâce à Colop qui a débloqué Arvidas Sabonis, nous avons la possibilité de tester ce géant, le pivot lituanien 2m21 sur 26 kg. Un pivot très apprécié depuis plusieurs années, 94 à 3 points, 80 en dunk en pénétration, 95 de dunk sans élan, 92 en mi-distance, 86 de contrôle de balle, contre 95, interception 88, défense extérieure 84, défense intérieure 92, rebond 95, 97, vitesse 80, avec le ballon 75, accélération 80, détente 80, force 95, endurance 95, pressing 95 et rapidité latérale 86. Sa principale faiblesse, c'est son manque de vitesse. Oui, il manque de vitesse. On va voir si il a quand même de la mobilité, mais sinon, pour le reste, polyvalent, capable de shooter, capable de slasher, également très puissant, gardien du panier hors pair, Arvidas Sabonis, on va voir si éventuellement, par rapport à des Yao Ming ou à des Taco Fall, on va voir où est-ce qu'il se situe. Concernant les badges, il possède 35 badges en Hall of Fame, 30 en or, catch and shoot, spécialiste du coin, tir difficile, mur de briques, pro du dribble renversé au poste, drop stepper, roi de la claquette, lanceur de contre, altruiste, gardien du panier, contre par derrière, protecteur de rebond, tenaille, intercepteur, intimidateur, spécialiste du bras roulé, chasseur de rebond, muraille au poste, rebondeur insaisissable, inarrêtable au poste, pot-up sans limite, tireur en rip, sauveteur, sprinter, hypnotiseur, minutie, tireur à l'arrêt, premier par rapide, top and pop, mouse in the house, passeur expert, tête froide, machine à tirer, organisateur au poste, et as du pressing. Oui, il a pas mal de badges et surtout des badges très intéressants pour un pivot. Il va pouvoir être une vraie arme au poste de par son physique imposant, mais surtout une arme redoutable à l'extérieur pour notamment punir tous les off-ballers. Je vous conseillerais de lui ajouter notamment en priorité stop and go, pro du dribble, dribbleur infatigable, teigne et pickpocket. Éventuellement, ajoutez-lui briseur de cheville si vous voulez notamment partir avec lui depuis les 45 degrés jusqu'au panier. Ça vous permettra de gagner en vitesse et surtout de déstabiliser vos adversaires. Nous voici en freestyle. Vous le voyez, balle en main, on avait dit qu'il avait 80 de vitesse, 75 de vitesse avec le ballon, mais oui, il est un poil lent, mais il a quand même de la mobilité. Pensez à lui ajouter les différents badges de dribble, notamment si vous voulez que celui-ci soit plus efficace. Le pack de dribble en shifty, notamment, c'est le deuxième pack de dribble le plus efficace après le pack quick. Le shoot, un shoot habituel, il a la même base, notamment que Yao Ming, et la même release que Kawhi Leonard. Donc oui, ceux qui aiment les shoots comme ça, qui partent juste au-dessus de la tête, vous allez kiffer le shoot d'Arvidas Sabonis. Tant celui-ci dégaine très rapidement en very quick, et également le fait qu'il soit grand, eh ben, va faire que celui-ci va être très difficilement contestable. Donc oui, Arvidas Sabonis, croyez-moi, sur pick and pop, il va être menaçant et surtout, il va vous carry. On va affronter Yakuba Diawara, Luka Doncic, Dynamic Ratings, LeBron, Pascal Siakam et Zion. Oui, Yakuba Diawara, on aime bien, mais le reste, les Dynamic Ratings, je le dis, je le répète, c'est des cartes qui sont pas forcément utiles et qui sont surtout pas trop jouables. Là, vous le voyez tout de suite, vous avez vu un peu le mastodonte, comment il est monté? Vous avez vu un peu? On a raté, mais croyez-moi qu'il va faire du sale. Allez, on va jouer en pick and pop avec Arvidas Sabonis, vous allez le voir. La pick and roll, pouf, il s'est mangé un écran. Le mec est tellement puissant, tellement solide, avec le mur de briques. Pour le coup, c'est vraiment un vrai mur. Jouons avec Arvidas Sabonis au poste, tiens. Je vais vous montrer à quel point il est puissant. Regardez comment il est puissant, l'adversaire. Tac! Inarrêtable au poste derrière. N1, baby! Il est trop puissant, trop grand. On va rejouer au poste encore une fois avec Sabonis. Pour une fois qu'on a un vrai joueur qui peut jouer au poste, regardez. En plus, on a un vrai avantage de taille derrière. Mec, tu ne peux rien faire tant le mec, il est agile, tant il est puissant. Intercepte. Ah, dommage. Dommage. Intercepte là. Ah, dommage. Où est Arvidas Sabonis? À gauche là-bas, il est là-bas. Tout seul. Ah, 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 tout seul, voilà. Et il galope quand même. Il galope quand même. Là, on va abuser du jeu au poste. Hein. Tant personne peut l'arrêter. Derrière, remonte tout de suite. Voilà. Mais quelle puissance, quel buff. Interception. Faute sur tir. Oh non, sur interception. Lève juste les bras. Je lève juste les bras. Lève les bras.
lève les bras. Voilà, j'ai juste levé les bras, j'ai eu rien d'autre à faire. Juste lever les bras, ça a largement suffi. Termine, Sabonis ! Comment ça rentre pas par contre ? Comment ça rentre pas ? Des fois, il y a des choses qui sont bizarres. Comment c'est que ça rentre pas ? Balle, 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 personne peut t'arrêter. Dépose, mon gars. On kiffe. Voilà. Sabonis a été beaucoup trop fort et notre adversaire a malheureusement dû enfin abdiquer et reconnaître la puissance de Sabonis. Ja Morant est encore du Dynamic Ratings. Richard Hamilton, Paul George, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, les amis, sachez que même si vous commencez le jeu et que ces cartes sont des opales, oui, ça reste vos joueurs préférés. Jouez avec vos joueurs préférés, mais évitez les cartes Dynamic Ratings. Vraiment, je vous en conjure, c'est les pires cartes qui peuvent exister, vraiment. Tu crois vraiment que tu peux m'arrêter? Ah, saute! Oh mon gars, rebond! Rebond! Ouh! Ça repart. Allez, mutons en meneur. Rappelez-vous de Arvidas Sabonis, notamment Ruby, qui était tout à fait incroyable. Avance, recule. Tu me colles pas! Mon gars, tu me colles pas! Colle-moi! Balle, 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 balle. Et on... Oh, quelle défense! Oh, quelle défense! Comment il fait faute là? Mais quelle défense incroyable! Attention au premier parapide, attention au premier parapide. C'est bien, tu me colles. On va demander une isolation. Tu me colles. C'est très bien. Oh, voilà. Alerte top 10! Oh, Sabonis! Comment il s'est envolé? Le petit dribble dans le dos derrière, il s'est envolé littéralement. Imaginez un mec de 2m24, de quasiment 130 kg, s'envoler de la sorte. C'est incroyable. Défense, 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 défense. Oh là 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 là. Un nouveau contre pour Arvidas Sabonis. Tout seul. Tu sautes ou tu sautes pas? Giannis, tu peux rien faire. Dynamic Ratings, tu peux rien faire malheureusement. Drop step, saute. Mais pourquoi sauter? Oh là 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 là. Quel jeu au poste de Sabonis. Mais attention, Sabonis, face à Giannis Antetokounmpo. Regardez un peu ce déménageur. Regardez ce déménageur. Quelqu'un est tout seul là-bas, mon gars. Attention aux prises à deux. Attention aux prises à deux, tu libères énormément d'espace là. Anthony Edwards, numéro 1 draft 2020. Revue sortie hier d'ailleurs sur lui. N'hésitez pas à aller la checker. N'hésitez pas à donner de la force dessus. Allez, troisième et dernier match. Allen Iverson en 1, Dwayne Wade en 2. Kyle Korver, Bam Adebayo, Tobias Harris. C'est beaucoup mieux que les deux effectifs précédemment affrontés. Le Iverson en 1, Wade en 2. Jouez avec les cartes qui vous font kiffer. Mais comme j'ai dit... Il y a des limites, il y a des limites, sinon vous allez vous faire démonter les mecs. Allez, tout seul, Bam Adebayo, il peut rien faire, il est trop petit au poste 5. Trop petit au poste 5, robuste, oui mais trop petit, ne saute pas mon ami. Ah, pourquoi t'as sauté? Ouh. A few moments later. 21-16, Arvidas Sabonis, Arvidas Sabonis, ici, ah, ah, premier parapide dans le fame, on vous a dit, termine. Oui, il s'élève très facilement, on dirait un avion de chasse. Tout seul là-bas, Adebayo, on le sait qu'il veut le donner là-bas, Adebayo. Défense, 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 défense. Voilà, merci Jordan. Merci Jordan. Pippen, arrête-toi mon grand, oui. Prenons ce que la défense nous donne. Arrête de sauter mon gars. Arrête de sauter. Rebond. Hey, Shaquille O'Neal et Arvidas Sabonis, je vous jure que là, ils font vraiment du sale. Ils font du sale. Vous êtes sûr d'avoir quasiment tous les rebonds. Balle, 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 balle. Interception. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Jamais ça, jamais tard. Heureusement. Le match est perdu pour notre adversaire malheureusement. Il aura bien joué, il se sera bien battu. Mais le match est perdu pour lui. On lui a mis un run, il y avait 21-16, on lui met un 11-0 série en cours. Allez, balle, 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 défense. Défense, 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 défense. Défense, ta, ta, ta. Défense, oh, Scottie Pippen. Oh, Scottie Pippen, qui s'arrête à 3 points. Oui, monsieur Scottie Pippen. C'est la revue, certes, de Arvidas Sabonis, mais il faut quand même assurer la victoire, messieurs. Arvidas Sabonis est une excellente carte. Au poste de pivot, c'est une excellente carte gratuite. Sincèrement, je le mets au-dessus de Yao Ming. Les animations d'Arvidas Sabonis sont largement meilleures que celles de Yao Ming. Oui, il lui manque un peu de vitesse, mais avec le coach, une chaussure, vous connaissez, il peut très vite monter haut dans les tours. Arvidas Sabonis, véritable épouvantail en défense. Très peu de rebonds vont lui échapper également. Il va mettre beaucoup de contre. Bien évidemment, par rapport à un Joel Embiid invincible, on ne peut pas le comparer, mais par rapport à un Taco Fall et un Yao Ming, sincèrement, il vient s'inscrire parmi les 3-4 meilleurs pivots hors invincibles du jeu sur My Team. Donc bon courage à vous si vous allez le chercher, parce que je le sais déjà que l'algorithme est totalement cassé quand les joueurs sont excellents, notamment. Rappelez-vous Terry Dischinger l'année dernière, ou Danny Ferry, c'est les meilleurs exemples.
Si vous avez tenté votre chance, dites-moi combien de matchs vous avez fait. Si vous l'avez déjà eu, dites-moi également combien de matchs vous avez fait pour l'avoir. Le pouce vers le haut. Merci encore pour les 10 000 abonnés. Je vous kiffe tous. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, si vous êtes nouveau. La cloche des notifications. Le marathon s'arrête très bientôt. Donc, n'hésitez pas à prendre encore le train en marche. On se retrouve très bientôt. Passez une excellente journée. C'était votre GAFA de Boss. Comme on dit chez moi, God bless. Peace.